Bonjour, dans cette leçon, nous allons apprendre à mesurer l'aire d'une figure. L'aire, c'est la mesure de la surface d'une figure. C'est ce qu'il y a à l'intérieur du périmètre. Je peux le caresser avec la paume de ma main. Pour mesurer l'aire, on prend une unité d'air, ici un carreau, U. On le reporte autant de fois que nécessaire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. L'aire de cette figure est de 41 unités. Quand les surfaces ne sont pas pleines, les unités sont coupées, comme ici. On compte les nombres des unités complètes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ici, il y a 36 unités roses complètes. Maintenant, on essaye d'assembler les morceaux pour faire d'autres unités d'air. Par exemple, en jaune, ça forme une unité. Donc j'ai 36 unités roses pleines, plus deux morceaux d'unités jaunes qui font une unité complète. Et puis, en bleu, deux autres morceaux qui, quand je les replace, forment également une unité complète. Donc ici, j'ai 38 unités d'air. L'aire de cette figure est de 38 unités. Il y a deux polygones pour lesquels le calcul de l'aire peut se faire plus rapidement. Les connais-tu ?